Amen. Amen. Même si tu souffres, dis que je vis bien. Amen. Même si ça ne marche, dis que ça va aller. Ça marche. Au fur et à mesure que tu confesses, la chose s'approche de toi. Alléluia. Parce qu'il est le berger. Amen. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Tu ne manqueras de rien. Et quand tu tombes malade, il est Jéhovah. Amen. Quand tu manques la paix, il est Jéhovah Shalom. Amen. Quand tu n'as rien mangé, il est Jéhovah Jireh. Amen. C'est le Dieu des paradoxes. Amen. Le Dieu des miracles. Nous limitons Dieu par rapport à notre situation. Très bien. Et quand tu vois ta situation, dis que ça là, ah, Dieu ne peut pas résoudre. Non. Tout est possible. Alléluia. Tout. Alléluia. Tout est possible. Alléluia. À celui qui fait pas, pas celui qui croit. Pas celui qui pleure, alléluia. Mais celui qui croit. Alléluia. Pour posséder la chose, il faut croire. Alléluia. Or la foi est une ferme assurance. Amen. Les choses qu'on espère, tu as déjà la chose. La foi n'espère pas, la foi possède. Amen. Elle possède la guérison. Amen. Elle possède le travail. Amen. Elle possède tout ce que vous voulez. Alléluia. Vous n'ayez pas peur. Alléluia. Parce que celui qui est au milieu de nous est plus fort que la maladie. Alléluia. Est plus fort que ton souci. Alléluia. Est plus fort que ton problème. Alléluia. Car il est Dieu. Alléluia. Je le connais tout mon cœur, il est Dieu. Alléluia. Même qu'il est Dieu. Si le diable refuse, il restera toujours Dieu. Amen. Disait le chante là, Patrice, vous connaissez Patrice, celui qui m'a bien baissé. Amen. Il disait que bon, comme cette année, si Dieu n'a pas béni, on va le changer. Non, il restera toujours Dieu. Même si l'année là, il n'a pas béni, je continue à croire. Amen. L'Éternel est qui? Il est notre berger. S'il est ton berger, écoute ce que David te dit. Amen. Psaume 37, verset 25 à 26. J'ai été jeune. J'ai vu. Amen. Amen. David a expérimenté le berger. Amen. Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Alléluia. Je n'ai point vu un juste abandonné. Amen. Ni sa postérité manger son pain. Amen. Ta postérité ne peut jamais manger le pain. Alléluia. Parce que tu étais jeune, tu as vieilli, il prouvera toujours. Alléluia. 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 Et il est prêt. Amen. Et sa postérité est bénie. Amen. A dit que je suis béni. Je suis béni. Amen. Amen. Même si tu n'as pas les moyens, mais tu es béni parce que tu as le message. Amen. Le message est une bénédiction. Alléluia. 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 On dit Amen. J'ai dit Amen. Le message est une bénédiction, frère. Alléluia. Dans ce message, il y a tout. Amen. Ciel. Puis nous irons au ciel. On va rencontrer ce Dieu-là. Nous le contemplerons face à face. On va l'adorer. Oh, dites Amen. Amen. Frère, maintenant, on a fait un voyage. Il est retrouvé là-bas au ciel. Amen. Il a vu des choses qui sont devenues jeunes. Amen. Faire ce message de parfaite volonté de Dieu. Yes, sir. C'est la vérité. Ne prenez pas le risque de quitter ce message. Amen. Même si la situation déborde, reste dans la barque. Amen. La barque va tomber, ça va bouger, l'eau va rentrer, Jésus dans la barque. Amen. Rassure-toi que dans cette église, il y a Jésus dans la barque. Quand ça caille, l'Éternel est mon berger. Seigneur, j'ai péri, il va se réveiller. Amen. Faut calme-toi. Amen. Situation, calme-toi. Amen. Tempête, calme-toi. Amen. La crise, calme-toi. Amen. On dit Amen. Les démons, calmez-vous. Moi-même, le bon berger, je suis dans la barque. Homme de paix de foi. Ah, dites Amen. Il a arrêté la tempête. Ah, dites Amen. Si Jésus a arrêté la tempête, ce qui a été, c'est ce qui c'est. Il le fera ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse. Je crois ça. Ah, je commence à me sentir bien. Non, c'est bon, c'est bon. Vous dites Amen. Amen. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Tu peux manquer 1000 francs, mais pas 100 francs. Yes, sir. Amen. Amen. Tu peux manquer 10 000, pas 1000 francs. Yes, sir. Tu peux manquer 1 million, mais pas 100 000. Amen. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et lui, après avoir mangé, il a bu, il a pris le culte. Il dit, bon, maintenant, madame, l'huile et la farine ne manqueront pas dans ta
maison. Amen. Qu'est-ce qui a fait cela? Il a reçu Élie, le prophète. Je vous appelle Élie, le prophète. Ça, tu l'as reçu, lui ne va pas manquer. Il y a l'huile, il y a la farine. Parce que tu as reçu Élie, le prophète. Que le Seigneur dise amen. Oh my. C'est bon. Paragraphe 5. Alléluia. Autrefois, je me débrouillais tout seul. Amen. On dit ça le mercredi. Autrefois, je me débrouillais tout seul. Mais depuis que j'ai découvert en lui mon père. Alléluia. Eh bien, lui qui agit, c'est lui qui agit pour moi. Alléluia. Seul parce que je mangeais. Non, autrefois tu te débrouillais seul. Mais d'un coup que j'ai découvert en lui mon berger, c'est lui qui agit pour moi. J'ai vu cela pendant 21 ans d'expérience dans la prédication de l'évangile. Tout travail du Seigneur qui est trop grand pour que je l'exécute, à quoi me sert de l'essayer? Je le laisse simplement s'en occuper. C'est tout. Lui-même. Amen. Ne te débrouille pas. Oh non, je ferai là. Laisse Dieu lui-même faire les choses. Alléluia. Amen. N'est-ce pas quand vous voyagez par la fichette? Amen. Amen. Est-ce que tu prends des bagages humains sur la tête? Non. Il y a un endroit qu'on appelle la soute. Oui. C'est là où l'avion a une capacité de transporter ta bagage. Donc là, je veux que tu assoies, tu attaches la ceinture et tu voyages. C'est tout. Oh. Remets tout en main de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Prends le poids du parfum. Prends le poids du fardeau. Dépose. Amen. Ne te débrouille plus. Amen. Il a dit que je veux m'en occuper. Je crois ça. Je lui confie simplement. Il a promis de prendre soin de moi. Amen. Alléluia. Promis-moi de prendre soin de moi. Vous voyez ça ce soir? Je crois ça. Je crois ça. Quand l'opposition surgit, je la lui confie simplement. Amen. En effet, il a dit, il s'en occupera pour moi. Amen. 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 Et s'il ne peut pas le faire, je sais que c'est inutile pour moi d'essayer. Amen. Alléluia. Nous vivons en toute quiétude et nous allons de l'avant. Amen. Il s'en occupe bien. Ça ne sert à rien de se tracasser et de se mettre dans tous ses états. Ouais. Ça ne sert à rien. Tu fermes les fronts, sois toujours dans la joie. Amen. Sois cet esclave-là, mon frère. Amen. Toujours joyeux. Amen. Toujours dans la joie. Amen. Et c'est là pourquoi il est différent. Il a vu la révélation. Alléluia. Là-bas au Cabo, là-bas en Afrique, alléluia. Mon père est un roi. Amen. Il vivait comme un prince. Yes, sir. Il vivait comme un roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il mangeait les mêmes haricots. Yes. Il mangeait les mêmes foufous. Yes. Il partageait les mêmes taxis. Mais quand il marche carrément. Amen. Il marche fermement. Pourquoi? Parce qu'il a fait la révélation. J'ai un père. Toi aussi ce soir, crois la parole. Alléluia. Marche caillardement. Marche fièrement. Continue à croire. Parce que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Il n'est pas le berger de l'autre, non. Non. Il est mon berger. Alléluia. Et s'il est le berger, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Ne sera pas toujours avec vous. C'est vrai. Amen. Amen. Un pasteur physique. Amen. Ne sera pas toujours avec vous. Amen. Mais il y a un homme. De nuit comme de jour. Amen. Même quand ça caille la nuit, il est toujours là. Il y a la promesse. L'ange de l'Éternel. Pendant que le pasteur passe chez lui, il y a l'ange de l'Éternel qui tombe tout autour. Et quand tu tombes paisiblement. Moi, ce message est la vérité. Amen. 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 Vous m'avez poussé à quoi la prochaine? Ah bon?
Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un berger? Amen. Amen. Un berger, c'est un pasteur. C'est un conducteur. Amen. Lisez le psaume 23. On va lire ça. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il fait quoi? Il me conduit. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc un berger est un conducteur. Amen. Et les brebis connaissent sa foi. Tout le monde n'a pas la capacité d'écouter la voix de Dieu. Mais qu'est-ce que le berger fait? Il montre les signes. Derrière chaque signe, il y a quoi? Il y a une foi. Et derrière chaque signe, il y a une voix. Et quand le signe se manifeste, c'est qu'il y a une voix quelque part. Quand le signe là s'est fait photographier, il y a une voix quelque part. Et même que je voyais Jean-Baptiste. Alléluia. Vous préparez la première venue. Je m'envoie avec un message. Qui va préparer quoi ma seconde venue? Donc derrière chaque signe, il y a toujours une voix. A vu le signe. Un arbre qui brûlait, mais ça ne consomme pas. Il laisse moi approcher pour voir. Quand il s'approche, la foi sort. Donc c'est le signe qui attire Moïse. Quand Moïse voit le signe, il s'approche. Dès qu'il s'approche, la foi sort. Oh, tu te souviens. Car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Amen. J'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Vous êtes conseillé à la mer.
connaît pas l'étranger, mais les brebis à la révélation de qui est Dieu. Alléluia. Oh, soyez bénis. Soyez restaurés. Il est dit, restaure mon âme. Quand ton âme est malade, la personne est restaurée. Quand j'écoute la parole, ton âme se restaure. Tu sens la joie. Tu sens la quiétude. Tu sens l'onction. Donc personne ici peut dire que non, frère, moi je me conduis seul.
tu vas te perdre. Amen. Boy. Amen. Amen. Toujours un pasteur. Amen. Toujours un berger. Amen. Amen. Qui va conduire. C'est parce que c'est lui qui connaît le chemin. C'est le chemin, la vérité est la vie. Donc il n'y a pas un titre comme ça de la Bible. Faire, je suis une brebis, je n'ai pas de pasteur. Donc tu es Melchisédek. Il a ni père, ni commencement, ni fin du jour. Donc tu es Melchisédek. Et tu bouffes la tigre toi-même. Amen. Vraiment. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean a dit, je rends témoignage. Voyons l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre et demeurer sur lui. Amen. Il s'est pas simplement posé, il a demeuré Amen. Sur lui. Toute la plénitude de la divinité incarnée dans ce corps. Amen. 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 Pour vous prouver qu'il était conduit par l'agneau, par la colombe. Quand il monte de la croix, Amen. 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 Jésus parle. Oh, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. La colombe est sortie. Amen. La colombe a fait sa mission. Il a mené jusqu'à la croix. Amen. Il dit que toi et moi, c'est fini. Je me retire. Amen. 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 Alors Jésus parle, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Il devait mourir en tant que homme. Amen. Pas en tant que Dieu. Amen. Parce que Dieu ne meurt jamais. Ouais. Amen. Amen. L'agneau et la colombe. 25 mars 57. Paragraphe 30. L'agneau et la colombe. 25 mars 57. Paragraphe 30. Fais-moi considérez ce petit agneau. Quelle merveilleuse petite créature. Il est. Dieu vous compare à des brebis. Or, l'agneau doit être un agneau ordinaire. Tout d'abord, un agneau est ordinaire par sa nature. Amen. Et bien, examinons-nous juste pendant quelques instants. Amen. Un agneau est simplement un agneau, mais pas nous. Nous les savons tous. On ne peut rien nous dire et nous prétendons être des agneaux. Oh, un agneau doit être conduit. Amen. Il ne peut pas se conduire. Avez-vous jamais vu un agneau quand il est perdu? Oui. Lorsqu'une brebis se perd, elle est complètement impuissante. Amen. Elle ne peut pas se débrouiller. Amen. Elle est perdue et doit être conduite. Un véritable et authentique chrétien Amen. Doit être conduit. Amen. Un véritable et authentique chrétien doit être conduit. Amen. Amen. Il n'a en soi aucune intelligence pour connaître Dieu. Il suit simplement la conduite de l'esprit. Un véritable chrétien doit avoir un berger. Une église, là où je me sens chez moi. Là où il paie les dîmes, il paie les offrandes, il soutient l'église par sa présence et par sa prière. Amen. Je dis Amen. 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 Merci. Oui. Communion, la communion, le 12 février 56. La communion, le 12 février 56, le paragraphe 34. C'est comme ça avec notre berger. Amen. Amen. Il a la priorité. Alléluia. Il conduira ses brebis. Rien ne va leur faire du mal. Amen. Ni les déranger. Amen. Je ne sais pourquoi, là sur la montagne, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de bergers là-haut. Uh-huh. Ils paissaient diverses espèces d'animaux. Uh-huh. Ils paissaient des ânes, des chameaux, des chèvres. J'ai dit, eh bien, un berger, c'est juste un pâtre. Ou a-t-il dit, c'est, enfin voilà, un berger, c'est quelqu'un qui fait paître ou pâtre. Mais il ajoute, vous savez, la chose étrange, c'est que le berger est plus attaché à ses brebis. Amen. C'est la vérité, c'est ça. Il a les chameaux, il a les chèvres, il a les boucs, il a les chiens. Il dit qu'un véritable berger oui. est plus attaché à ses brebis. Amen. Car tout le reste, il a dit, eh bien, tout mange la même nourriture. La même herbe. Mais quand la nuit tombe, Amen. Les mulets, les chèvres restent tous dehors. Amen. Et le berger appelle ses brebis et le fait rentrer dans la bergerie. Amen. C'est la vérité. Amen. Et le but, le chameau reste
voudrais être une brebis. La nuit va tomber l'un de ces jours. Seules les brebis entreront. Dieu appelle. Si vous n'êtes qu'un membre d'église, si tout ce que vous savez c'est adhérer à l'église, ou ce que vous connaissez par Christ, ou si vous ne connaissez pas Christ par expérience. Amen. Vous devez connaître Christ par quoi? Je connais le credo. Je connais mon catéchisme. Connaître le catéchisme, ce n'est pas ça la vie. Amen. Connaître Christ, c'est ça la vie. Amen. Ce n'est pas connaître votre credo. Amen. Connaître votre doctrine de votre église. Amen. Mais le connaître lui. Amen. Et lui seul, c'est la vie éternelle. Amen. Tu dois voir des expériences. Amen. Alors là, j'insiste. Amen. Nous devons avoir des expériences. Amen. Amen. Alors j'ai vu la situation, frère. On a dit que Dieu ne s'invente pas les choses qu'il n'a pas fait. S'il n'a pas fait, il ne peut pas s'inventer. Même si c'est un petit témoignage, amplifie ça, frère. Amen. Même si c'est un petit témoignage, frère, amplifie ça. Gros, c'est gros. J'ai compris. Amen. 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 Oh, j'ai prié, j'ai été guéri du palu, frère. Je continue à témoigner, frère. J'avais le palu. Ah, c'est vrai, c'est que le palu, frère, c'est un témoignage. Alléluia. Il y a d'autres qui meurent avec le palu. Amen. Toi, tu as été guéri. Amen. C'est un bon témoignage. Alléluia. Amen. 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 Même si c'est une petite grippe, Amen. Que Dieu t'a guéri, amplifie ça. Alléluia. Amen. Je suis guéri. Amen. Ah, tu vois. Ok. Alors, c'est bon. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je vous donne un témoignage. Amen. J'étais à Kigali, frère, au Rwanda. Amen. J'amplifie le témoignage. Ma soeur a souffert de diabète. Vous savez que le diabète, c'est une maladie bizarre. Amen. Quand tu te blesses, la plaie là où se cicatriser, c'est le problème. Amen. 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 Elle s'est blessée. C'est juste un petit bouton ici. Quand elle a commencé à gratter le bouton, papa, c'est devenu la plaie. Et c'est une grande plaie. Arrivé à l'hôpital, il fallait suturer par décret. Les gars se disent, non, comme tu es diabétique, c'est pas possible. Amen. Allô, 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 allô. On se court à l'hôpital. Il y a quel problème? Il y a le diabète. Oh. Ça, c'est un petit esprit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Parce qu'on disait que c'est quoi? Non, c'est diabète. Oh. On va chasser ce diabète. Amen. 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 On a imposé les mains à la sœur. Les sœurs croient. Amen. Le lendemain, la plaie colle, ça s'est infecté. Quoi? Ne confesse pas ce que tu vois. Confesse ce que tu vois. Amen. Après une semaine, la plaie s'est cicatrisée. Une trace. Quelqu'un qui a le diabète, tu fais la plaie, ne peut pas se cicatriser. Mais pourquoi le grand berger passait par là? L'Éternel est mon berger. Il n'est pas le berger, il est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Amen. 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 Encore un témoignage. Amen. Une soeur qui a écouté le message là-bas au Rwanda. Amen. Elle l'a baptisé. Les Rwandais n'est pas comme un Gabonais, frère. Ils peuvent faire 2 ans dans une église. Ils ne font pas les baptêmes. Ils vous regardent, frère. 2 ans. Donc, on a baptisé les gens qui ont fait 3 ans, 2 ans dans une église. Ils viennent, il n'est pas pour moi. L'évangile les a touchés. Amen. Amen. La sœur a eu son baptême et elle est partie aux États-Unis, les gens sont mariés. Mais quand elle a pris que j'ai fait encore un tour, elle a payé son billet, frère. Ah. Depuis Michigan, Michigan, c'est pas Michigan, elle fait pas lui. Depuis Michigan, elle dit que non, le prédicateur là est revenu à Kigali. Elle a payé son billet, frère. Elle est venue à Kigali écouter l'évangile. Amen. Après avoir fini, elle a pris son billet et elle est partie. Gloire Seigneur. Amen. Amen. Là, l'écriture s'est accomplie. Amen. Les gens qui quittaient beaucoup de vies pour venir écouter William Marlon Branham. Amen. Qu'est-ce qui les a tirés de le témoignage? Amen. Amen. Pour moi, c'est le témoignage. Amen. J'amplifie ça, frère. Amen. Ah oui. C'est juste. Amen. Pourquoi il fallait que ça soit les bergers? Le 21-12-64, paragraphe 181. Il dit, lorsque le grand berger avait été frappé, le grand prophète de Brébis. Waouh. Amen. Voilà. Lorsqu'il avait été frappé, j'ai dit, tout est accompli. Amen. À cet instant même, aussitôt que ce berger fut frappé, tout est terminé. Amen. La question du péché était réglée. Amen. Il n'y avait plus de péché. Alléluia. Amen.
était pur. La peine avait été payée. Les croyants dont le nom était écrit dans le livre de la vie des prédestinés depuis la fondation du monde pour eux, c'était terminé. À la minute où même Jésus avait dit que tout était accompli. Amen. Lui, le grand berger, était venu pour ses brebis. Tout est accompli. La main droite de Dieu avait été retirée de son sein. Étant frappé, ensuite à la patte, il a remis cela. Voilà, on dit amen. Il a relevé cela une fois de plus vers son sein. Il a entendu vers vous et moi. Il a entendu vers vous et moi sous forme de sa parole. Pour nous racheter et nous ramener au jardin original d'où le péché nous a fait sortir. Le secret caché de son grand cœur avait été révélé par un prophète berger. C'était révélé par un berger, un prophète berger. Il n'est pas étonnant que les montagnes aient sauté et crié de joie. Les vents ont secoué les arbres au point qu'ils se balançaient sans cesse. Ça, la Bible ne parle pas de ça. Non. Mais quand Jésus est mort, les vents commençaient à secouer les arbres. Voilà. Ils se sont réjouis et ont sauté. Ils avaient vu le prophète berger sur la montagne racheter chaque mot qui est dans le livre de vie. Ils avaient vu leur propre nature être rachetée. Comme n'importe quel réunion, lorsque le berger vous révèle que tout est accompli. Reçois ta guérison, frère. Reçois ton travail. Reçois la visitation de l'ange. Il faut que tu sois mari, frère. Tu es en train de prendre la parole. Tu médites. L'ange t'apparaît. Je te salue, Gilbert. Je te salue, Hélène. Je te salue, Marie. Je te salue, Valérie. Je te salue, Yannick. J'ai reçu le Saint-Esprit. Mes frères, tu as compte le péché? Non. Quand Dieu me regarde, je suis saint. Parce qu'il a dit que tout est accompli. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons très fort le berger. Le berger. Le roi de Salem. Le général à Saint-Étienne. Le loup de la forêt. Car je vous donne son secret. Le Seigneur du berger, il est le berger, l'agneau de Dieu.
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon, frère. Le message est bon. Prenez l'argent. Prenez la voiture. Prenez tout. Donnez-moi le message. Donnez-moi mon péché. L'éternel est mon péché. Je ne manquerai de Dieu. Tu ne vas rien manquer. Tu ne vas rien manquer. Comment c'est le prix? Il fait bon maintenant servir seul. Oh, Jésus, mon sauveur. Toujours avec chant et sourire, remplis-moi chaque.
Seigneur, je viens te dire merci. Toi qui as conduit ma vie, Seigneur, oh Dieu, en ce lieu. Toi qui m'as donné cette vision où il me fallait me rendre, Seigneur, dans cette église. Tu m'attendais pour me parler. Tu m'attendais pour me dire que tu es mon berger. Seigneur, pour me dire que tu relèves les défis. Pour me dire, Seigneur, que tu prends soin de moi. Pour me dire, Seigneur, que tu prends soin de moi. Seigneur, en toi je me confie. Ô l'Éternel, mon berger, à toi je regarde, Seigneur. Toi qui restaures mon âme, Seigneur. Toi qui prends soin, ô Dieu Tout-Puissant, de ton peuple et de tes enfants. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, ô Dieu, je dis, qui d'autre que toi, Seigneur, pouvait parler à mon âme de la sorte, Seigneur. Oui, je dis, Éternel, tu as été bon envers moi. Je dis, Seigneur, tu as fait du bien à ma vie, Seigneur. Je dis, Seigneur, tu es unique, car tu connais la profondeur du cœur de l'homme. Tu connais les pensées, Seigneur, qu'il y a dans le cœur de l'homme, Seigneur. Et aujourd'hui, Père, tu as parlé à mon âme et tu as restauré mon âme, Seigneur. Oh Dieu, je te remercie. Toi, l'Éternel, mon berger, oui, je sors d'ici en retenant, Seigneur, qu'il n'y a pas à se soucier, il n'y a pas à s'inquiéter, Seigneur. Oh, tu dis, David dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa postérité après lui, Seigneur. Oh, tu as restauré mon âme en écoutant ta parole, en noyant ton serviteur. Bénis richement ton fils, bénis richement ton serviteur, bénis richement le vase que tu as utilisé pour me parler, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, bénis tes enfants qui ont effectué le déplacement pour se rendre dans ce lieu aussi. Bénis, Seigneur, oh Dieu, toutes ces personnes qui ont décidé de venir t'écouter. Toi, le bon berger, Jésus, 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 le berger fidèle qui n'abandonne pas, Seigneur. Sois béni, Éternel. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Oh, berger fidèle. Merci, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur qui s'est réjouie en entendant ta parole. Merci, Seigneur, pour la restauration de mon âme. Comme David l'a dit, l'Éternel restaure mon âme, restaure ma vie, restaure ma famille, restaure ma nation. Seigneur, nous sommes au temps de la restauration de toutes choses. Ô Éternel Dieu, tu as promis, Seigneur, tu as promis, Éternel. Chaque promesse est mienne. Chaque promesse de ta parole est mienne. Ô Éternel Jésus, je confesse ce que je crois. Je ne confesse pas ce que je vois, Seigneur. Je confesse ce que tu as dit, Éternel. J'appelle de l'inexistence à l'existence ce qui n'est pas encore accompli, Seigneur. Maintenant, entre en scène. Oh, accorde une visitation. Accorde une visitation afin que mon témoignage amplifie, Seigneur, ta grandeur dans cette nation. Au nom de Yahushua, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, au nom du Dieu unique et véritable. Merci. Merci. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction. Merci pour l'esprit qui a utilisé le vase. Oh Père, souviens-toi de sa famille. Souviens-toi des personnes qu'il a laissées loin de son pays, Seigneur. Merci pour cette visitation de ta présence ce soir. Merci d'avoir choisi ma nation. Oh Dieu, accorde une restauration parfaite et totale au nom de Jésus. Seigneur, préserve-nous de tout mal. Seigneur, préserve-nous de tout orgueil. Préserve-nous de toute arrogance. Toi qui es descendu bénir ce peuple. Toi qui es descendu restaurer, Seigneur, ce peuple. Le psaume 23. Le psaume 23. L'Éternel restaure mon âme. Éternel, restaure l'âme de ton église. Restaure l'âme de ton peuple.
restaure l'âme de tes enfants. Restaure, restaure Seigneur, restaure le témoignage, restaure la vie, restaure les espoirs, restaure les espoirs, les espérances, restaure Seigneur, oh Dieu, au nom de l'Éternel, au nom de Yahvé, au nom d'Adonai, au nom d'Elohim, au nom de Yahushua, au nom de Jésus, viens prendre ta place dans cette nation, viens prendre ta place dans nos institutions, viens prendre ta place dans ce qui est en train de se faire, dans ce peuple éternel. La restauration, elle passe par le psaume 23, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Entre en scène Seigneur, entre en scène éternel, c'est ton temps Seigneur, c'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps Seigneur, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci, merci. Prions le Seigneur. Père, je voudrais te remercier, Seigneur, pour ce vase que tu as utilisé. Seigneur, autour de 7h et 8h, tu ne cesses de me donner des visions, Seigneur. Et tu m'as donné une vision où, Seigneur, je me trouvais avec le pasteur Yannick et, Seigneur, ton serviteur ici. Et c'était si urgent, Seigneur, et important qu'il me fallait, Seigneur, oh Dieu, être en ce lieu, Seigneur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire l'Éternel? Alors que tu m'as utilisé 2 semaines à Oveno et je devais repartir là-bas, Seigneur. Mais tu as dit non. Appelle ton frère. Et j'ai appelé le pasteur Yannick. Seigneur, j'ai insisté. Je me suis dit non. Il y a quelque chose qui doit se passer là-bas. Qu'il me faut aller écouter. J'ai dit, pasteur, viens. Alors, l'Éternel m'a montré une vision. Il m'a fait voir ton frère qui va prêcher. Alors, les ténèbres seront là-bas. Oh Seigneur, ta vision est correcte. Je sais que plusieurs n'ont pas peut-être compris la raison de ma joie, Seigneur. Mon exaltation, Seigneur. Mais je tiens à ma droite et je reçois de lui, Seigneur, l'onction qui est en lui, afin qu'elle soit en moi aussi, Seigneur. Cette foi qui disait, Seigneur, je ne regarde, je ne confesse pas ce que je vois, mais je confesse ce que je crois. Et je pense que c'est ce qui est essentiel. Oh, je crois en mon pays. Je crois en cette restauration. Seigneur, nous voici avec un pays qui va à la restauration. Mais le psaume 23 est clair. La restauration concerne l'âme. Et ce homme a parlé de ta part, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci pour la parole. Merci pour l'exhortation. Merci pour les prophéties qui sont sorties me concernant, Seigneur. Tu m'as parlé. Tu as parlé à ce que notre nom, Seigneur. Oh, laisse-nous partir d'ici. En joie, en jubilant, sachant que je suis restauré. Sachant que tu es l'Éternel, non pas notre berger, mais mon berger. Seigneur, je n'ai manqué de rien. En 3 semaines à Libreville, je n'ai manqué de rien, Seigneur. Tu as pourvu à mes besoins. Tu as pourvu suffisamment aux besoins de ton homme, serviteur. Oh Père, je vais amplifier ce témoignage. Merci parce que le réflexe m'est venu qu'il fallait prendre cette vidéo. Seigneur, c'était la vision. Merci. Ce témoignage restera dans ma vie. Et je bénis le pasteur Massamba qui a fait de ce jeune homme un ministre en exercice des fonctions du royaume des cieux. Oui, Seigneur, je bénis l'âme du pasteur Massamba. Je bénis, oh Dieu, ton fils ici présent et ce ministère. Puisses-tu l'élever de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'onction en onction, de miracle en miracle, de témoignage en témoignage. Oh Père, merci. Bénis ton peuple, bénis cette église, bénis ce message. Nous voulons quitter d'ici chacun en étant rassurés qu'il n'y a que les bénis qui ont entendu la voix de Dieu. Il n'y a que les brebis qui ont reconnu que Dieu était ici. Alors qu'il était en train de prêcher, j'ai vu ta présence. J'ai vu cette lumière. Seigneur, du côté gauche de la chair, je l'ai vu, Éternel. Et je me suis dit, non, non, non. Éternel,
tu ne passeras pas comme ça. Je veux te saisir comme Jacob. C'est pourquoi j'ai saisi la main du vase. Tu étais dans ce corps. Je t'ai saisi. Je dis, Seigneur, change ma destinée, Seigneur. Change ma vie avec toi, Éternel. Oh, merci pour le rôle que c'est de mon gamin. Merci, Seigneur, pour la restauration de nos âmes. Merci pour David qui a écrit le psaume 23 pour nous servir d'enseignement, Seigneur. Oh, il fallait que nous venions à ce moment précis. Oh, avant de quitter, Seigneur, ma demeure, j'ai dit, Éternel, oh, je vais là. Il faut me parler, hein? Il faut me parler. Et je viens ici et tu m'as parlé, Seigneur. Tu as parlé à ton fils, tu as parlé à ta fille, Seigneur. Bénis richement, Père, cette parole qui est sortie. Qu'elle ne reste pas simplement dans nos oreilles, mais qu'elle descende dans nos cœurs. Qu'elle procrée en nous un être vivant qui est l'Éternel. Et que notre berger qui a semé sa semence dans la matrice épouse, que cette semence, cette matrice se ferme à tout ce qui est raisonnement au nom de Jésus. Que le message de ce soir, enfant de le Messie, enfant de le Sauveur, enfant de le berger, que chaque maison témoigne qu'elle t'a vu. Que chaque frère, chaque soeur témoigne que quelque chose s'est passé après ce message. Je crois que c'était approprié à ma vie, Seigneur. Merci, grand berger. Toi qui as utilisé le petit berger. Merci, grand berger. Berger fidèle qui connaît, qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que le berger pour savoir ce que traverse ses brebis. Tu es exceptionnel, grand berger. Tu es formidable, grand berger. Tu es merveilleux, grand berger. Oh, oh, grand berger Jésus. Grand berger Jésus. Merci d'avoir exaucé nos prières. Au-delà de tout ce que nous n'avons pas pu dire dans l'expression de notre demande ce soir, veux-tu ajouter cela, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Yahushua Mashiach, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et ce soir, il était sur la chair, dans une chair humaine, Seigneur, parlant à son peuple, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous êtes présentes.